Cette émission vous est offerte par OneXBet. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, bonsoir amis sportifs, merci de votre fidélité au programme de votre émission de prédilection Mega Sport, à suivre tous les vendredis naturellement sur DR TV. À partir de 18h40, mais là nous commençons légèrement en retard en tout cas. L'émission, mesdames et messieurs, amis sportifs, est sponsorisée par OneXBet. C'est le sponsor officiel de cette émission dans laquelle nous parlerons des éliminatoires de la CAN 2023. Mais la CAN se jouera en Côte d'Ivoire en 2024 avec, bien évidemment, tous les programmes de la cinquième journée. Et la cinquième journée au cours de laquelle les Congolais, les Diables Rouges, en tout cas qui sont pratiquement dos au mur, se recevront les Aigles du Mali. Ça sera sur la belle pelouse du stade de président Alphonse Massomba. Débat après-demain, dimanche 18 juin à partir de 17h. Nous irons également à Massina, dans un quartier de Makelele, où la coordination nationale des supporters de Diable Noir, que dirige de main de maître Jean-Pierre Massamba, alias JP Boulabibaka Maman Ndombi, appelé également Aigle du côté des Diabletins, a mis en place à Massina donc le 24e sous-comité des supporters de Diable Noir. En tout cas, vous aurez le reportage Megasport sur la question. Et puis, nous irons également à Mouyonzi dans le département de la Bouenza avec Denis Paddison qui nous emmènera à Mouyonzi donc pour parler justement de ce côté-là, de la relance du handball avec Kaldaf Kimpese qui a remis un temps de ballon et de filet pour relancer justement le handball. En tout cas, Megasport, c'est tous les vendredis, comme je le disais, 18h40, fidèle au poste. Les consultants sont là. Pascal Biosekimino, bonsoir. Bonsoir Théodore. Bonsoir également Christian Otato. Bonsoir Théodore Balossa. En forme ? Bien en forme. Avec une petite trouille, hein, les Diables Rouges qui ne sont pas bien portants, qui vont recevoir les Aigles du Mali après demain dimanche. Alors, nous avons également Eva Ntikasumba de la rédaction sportive de DRTV International, également co-présentateur de cette émission Megasport. Bonsoir Eva. Bonsoir Théodore. Merci Megasport, c'est parti. Nous allons donc ouvrir cette émission sponsorisée, je l'ai dit, par OneXBet, par du football, avec bien évidemment l'actualité qui reste dominée, amis sportifs, par les éliminatoires de la CAN de football, la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Alors, nous allons d'abord faire recours à notre confrère de la Voix de l'Amérique, en tout cas qui nous replonge un peu dans quelques résultats, et on se retrouve juste après. Suivez ce commentaire. Malgré sa place de leader du groupe I avec 7 points, le Gabon a besoin d'une victoire à domicile ce dimanche au stade de Franceville pour assurer sa qualification devant les Léopards de la RDC. Le sélectionneur Patrice Neveu s'est entouré de tous les cadres de l'équipe, rappelant Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui avaient marqué leur disponibilité à réintégrer la sélection nationale après avoir pris leur distance. Quand je suis satisfait, je dirais que c'est quelque chose, dans la mesure où ça, c'est quelque chose que les joueurs souhaitaient. Donc bien évidemment que la porte étant restée ouverte, c'est avec plaisir que moi-même et leurs coéquipiers, on va reprendre le travail avec eux pour aller chercher cette qualification surtout. Match à enjeu également dans le groupe G, celui du Mali. Le sélectionneur des Aigles, Eric Sekouchel, a convoqué 28 joueurs pour faire face au Congo, deuxième de la poule G avec 6 points, derrière le Mali, premier avec 9 unités. On s'attend à un match difficile, un contexte compliqué. C'est à nous déjà de nous mettre dans des bonnes conditions pour bien aborder ce match et tout de suite d'être très ambitieux là-bas. Ça ne va pas être un match facile. On a la capacité et les possibilités pour être très ambitieux là-bas. On va y aller avec beaucoup d'envie, puis après on fera les comptes à la fin des 90 minutes. Logé dans le groupe K et déjà qualifié pour la prochaine CAN, l'Afrique du Sud et le Maroc vont se disputer samedi la suprématie dans cette poule. Côté marocain, l'esprit des demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde est résolument tourné vers Abidjan. Ils ne s'en cachent pas, ils partent favoris. L'on est favori, ce n'est pas une nouveauté. Le Maroc, même s'il naît... Quand je dis qu'on est favori, ce n'est pas une nouveauté.
Le Maroc, même si les gens veulent nous mépriser avec notre Coupe d'Afrique qu'on a eue en 1976, le Maroc a toujours été favori en Tunisie, au Gabon, en Égypte. Et quand j'ai été joueur ou bien supporter, on était toujours favori. Et aujourd'hui, en 2024, on sera favori comme 8 ou 10 équipes en Afrique. On sera favori comme 8-10 équipes Flafrique. En plus du pays hôte, la Côte d'Ivoire, jusqu'ici, 6 autres pays ont arraché leur ticket pour la CAN 2023. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, du Sénégal et du Burkina Faso. Il reste donc 17 places encore disponibles. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Ah, voilà donc les précisions de notre confrère de la Voix de l'Amérique, Yacouba Ouédraogo. En tout cas, il vient de le dire, 17 pays restent à pourvoir leur place. 7 par contre sont déjà qualifiés. Yacouba l'a dit, il s'agit de la Côte d'Ivoire qualifiée en tant que pays organisateur dans le groupe H, du Maroc dans le groupe K, de l'Algérie, du Sénégal, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et de la Tunisie. Alors, question au tâteau, quelques résultats justement. Et oui, effectivement, Théodore Balossa a cité hier que 3 matchs ont été livrés où, à l'issue de ces rencontres, l'équipe de l'Égypte s'est imposée sur le score de 2-1 chez la Guinée, donc face à la Guinée qui la recevait. Le Sao Tomé Principe a perdu 0-1 face à la Guinée-Bissau, et l'équipe du Soudan du Sud, là il s'agit bel et bien dans le groupe du Congo-Brazzaville, a perdu 2-3 avec un match réellement fou, un match fou puisque les Gambiens menaient jusqu'à la fin du temps réglementaire. Donc dès la première minute du temps additionnel, les Sud-Soudanais marquent le but du 2-2. À la 6e minute du temps réglementaire, les Gambiens sauvent l'honneur, donc arrache la victoire en marquant le but du 3-2. Voilà donc pour ce qui est justement du groupe G, le groupe dans lequel est logé le Congo. Alors, oui, le premier tour de table, Pascal Bezeguiminou, comment entrevoyez-vous déjà ces éliminatoires, cette 5e journée avec bien sûr les Congolais qui doivent recevoir sur la pelouse de Massamba Déba les aigles du Mali qui sont en tête? Merci Théodore. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire d'Eric, notre directeur de production qui venait de nous quitter, parce que notre mission fait partie justement de la direction de la production. Et donc je m'incline devant la mémoire d'Eric. Et donc pour dire que oui, le Congo aura faire affaire dimanche prochain au stade de Massamba Déba. Mais c'est un match qu'il ne faut pas rater. Coûte que coûte, le Congo doit gagner. Le Congo a 6 points. Le Mali a 9 points. Il suffit d'un match nul pour le Mali. Le Mali se qualifie. Et donc, nous devons empêcher en principe aux aigles du Mali de ne pas engranger le petit point là. Même si c'est un match nul, un point là, le Mali doit être battu pour ne pas engranger, pour qu'on soit 9-9. Et pour que le Congo parte avec les mêmes chances avec le Mali. Donc nous voulons que... c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, c'est un match compliqué, mais avec les faveurs des pronostics, puisque nous jouons à domicile, nous pensons que le public qui sera là poussera le 11 national congolais à engranger les 3 précieux points qui nous conduiront en 2024, parce que nous le souhaitons. C'est un match difficile, c'est une poule. Regardez, la Gambie a 9 points, je crois. Oui. Le Congo a 6 points pour le moment, avec sa victoire d'hier, là, sur le Soudan du Sud. Le Mali a 9 points. Donc, c'est un groupe très, très serré où le moindre faux pas, en tout cas, peut être préjudiciable pour l'une ou l'autre formation. Donc, nous disons pour le Congo, en tout cas, c'est un match. Nous devons tout faire pour que nous engrangions les 3 précieux points qui nous permettra d'aller en 2024 en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Pascal Bezeguiminou. J'espère que les dieux du football nous entendront. Alors Eva Nsekasumba, vous qui avez abordé un peu quelques sportifs triés sur le volet dans les artères de Brazzaville, est-ce que on n'est pas en train de préparer, on n'a pas bien préparé cet échec? Est-ce que le Congo est en mesure cette fois-ci de l'emporter face à une grosse cylindrée comme le Mali?
le Congo, en tout cas avec tout ce qui se passe, problème de primes, de présence, de machin, de participation. Est-ce que réellement on peut s'attendre à quelque chose de bon dimanche? Oui, tout à fait, Théodore. Merci déjà pour la parole, mais je ne suis pas du tout du même avis. Hein. Je ne pense pas que si vraiment les Diables Rouges pourraient gagner ce match de dimanche, parce que déjà, comme vous l'avez souligné, il y a un problème de prime qui se pose tout autour de cette équipe des Diables Rouges, supprimée par le ministre en charge du sport il y a quelques mois, il y a quelques jours, et encore, de la liste de ceux qui ont été convoqués, 9 ont refusé de venir jouer, de venir porter main. C'est la fameuse prime. Voilà, justement à cause de ces primes. Et là, même si il se peut se prévaloir donc cette rage de pouvoir jouer avec cet esprit de patriotisme, mais déjà vous voyez un peu le temps de jeu de nos joueurs face à ceux de Zec du Mali. Vraiment, il n'y a pas photo. Et c'est sûr que c'est une défaite qui se dessine déjà. On ne va pas se voiler la face de le dire, même si nous sommes tous des Congolais, on le sait aussi dans quelles conditions ces Diables Rouges sont en train de préparer donc ce match. Déjà la veille où certains locaux avaient été rassemblés, je me souviens, il y a l'un de notre confrère qui était de côté de Kintélé qui avait couvert cette séance d'entraînement. Certains joueurs avaient refusé de venir à cette séance d'entraînement. Et donc le staff technique, le staff dirigeant était là, mais aucun joueur n'était venu pour reprendre, donc jouer, prendre part à cette séance d'entraînement. Donc c'est aussi dire que il y a beaucoup de choses tout autour de cette équipe des Diables Rouges. En tout cas, bon, si on peut faire match nul, mais encore, si on fait match nul, cela va arranger donc les Zec du Mali qui seront déjà d'office qualifiés puisqu'ils auront 10 points. Déjà, la Gambie a 9 points. Donc, il faudrait attendre la dernière journée entre Gambie et Congolais. Le match va se jouer à l'extérieur. Le match va se jouer à l'extérieur. Mais est-ce que les Diables Rouges, avec cet esprit d'Ambouglio et je ne sais pas comment, et du Bouglio qui se tout autour de cette équipe, est-ce que réellement ils vont aller faire la différence du côté de la Gambie? C'est toute la question. Donc déjà, moi je pense que c'est une défaite qui se dessine, qui est là, sans pourtant qu'on se voit à la face. Voilà, le pessimisme des frères Ntsikasumba, en tout cas, il est, on ne peut plus réaliste. Alors, Christian Otato, Evrard Tsikasumba, on ne peut plus pessimiste par rapport justement à la qualité des joueurs qui ont été convoqués. Et je prends pour la plupart un exemple de Thiévy Vufusuma. On n'a rien contre lui, qui n'a pratiquement pas de temps de jeu. Mais effectivement, ce problème, nous l'avons toujours dénoncé. Et c'est même là où on revient pour chacun est libre de donner son avis. Pour ce qui prend en mal cette décision du gouvernement congolais de supprimer la prime de présence, est-ce pas à cause de toutes ces lacunes où on se rend compte tout le temps que les joueurs qui jouent les deuxièmes, les troisièmes rôles au sein de leur club, ce sont eux qui sont convoqués? Parfois, on convoque des joueurs qui ont un bon temps de jeu juste pour voiler la face des Congolais. Après, il y en a même le jour, pas de club, hein. Le jour du match, à l'exemple de Rosan de Varenne, le jour du match, vous allez voir ceux qui ont le plus de temps de jeu dans les gradins. Donc quoi, l'équipe nationale devient un centre de réinsertion des sportifs? Mais non, c'est pas ça une sélection. Une équipe nationale, ce sont les meilleurs des meilleurs. Et maintenant, le sélectionneur, la tâche qu'il a, ce qui lui revient, c'est de trouver la formule qu'il faut pour fusionner l'individualité, la qualité tactique, technique, physique de chacun de ces acteurs pour que son équipe puisse gagner. Mais lorsqu'on appelle un joueur qui termine une saison avec 279 minutes dans les jambes, est-ce que même avec une prime de 100 milliards, ses poumons vont pouvoir répondre? Donc, à quelque part, il faut qu'on essaye un peu de regarder ça, mettons à part le sentimentalisme. Si nous regardons cette liste, tout le monde a félicité cette année 2023 du président Jean-Guy Blaise Mayolas, parce que le Congo a participé au CHAN en 2023. Mais sur cette liste, parmi les joueurs qui ont été des pions majeurs du coach Elingoya, de la qualification jusqu'à la phase finale, combien de joueurs du CHAN retrouvons-nous sur cette liste? Des joueurs convoqués. La CAN des moins de 20 ans. Le Congo, quart de finaliste. Parmi ces jeunes, pourquoi ne pas prendre, par exemple, qu'est-ce qui empêche la présence de Deogracias Basinga pour l'attaque? Parce que si l'on regarde contre le Mali,
la défense malienne n'avait pas eu assez de boulot parce qu'il n'y avait pas des attaquants. Il n'y avait pas un attaquant congolais qui les faisait courir, qui faisait des appels dans leur dos. Or, la rapidité de Diogo Gracias Basinga pouvait servir. Et pour déjà avoir vécu par le passé ces expériences, parce que même il y avait le papa d'un joueur qui nous avait accordé une interview, c'était à la Radio Voix Évangélique, où ici au Congo, on annonçait que son enfant a refusé de venir jouer au Congo pendant que son enfant n'avait même pas reçu d'invitation. C'était un joueur du Paris FC, c'est juste que le nom cherche à m'échapper. Même Candido Valdo nous l'a aussi prouvé. Il a dit, ici, on me fait savoir que j'ai convoqué, surtout quand ces joueurs qui jouaient au Maghreb. Il convoque, on n'envoie pas d'invitation, mais on lui fait savoir que le joueur a refusé. Et il a dit, mais par mes relations au Maroc là-bas, au Maghreb, je réussissais à arracher mes joueurs. Donc, ce qui veut dire, moi, vraiment, ces joueurs qui ont refusé, je serai vraiment rassuré qu'ils ont refusé lorsqu'ils vont tenir une vidéo où ils annoncent voilà. Cela. Oui, nous avons refusé de venir à cause de cette question de prime de présence. Vous avez refusé, c'est bien, c'est votre droit. Vous la réclamez, oui. Mais quel résultat présentez-vous lorsque durant tout votre passé, voilà. Où cette prime de présence était régulièrement versée. – Voilà, merci beaucoup Christian Otato, en tout cas on comprend que vous êtes suffisamment patriotique, vous êtes pris d'un esprit patriotique, en tout cas vous vous insurgez. En tout cas ce n'est pas vous seulement qui vous insurgez face à ce comportement, il y a également Evrard Sekasumba qui a colmaté, qui a c'est un peu de promener son micro dans les ruelles de Brazzaville. Nous écoutons ces quelques sportifs dont les points de vue sont foncièrement partagé. C'est d'abord pour la nation, on doit élever notre nation. Et l'histoire de prime, c'est après. Je souhaite une bonne chance au Diable Rouge, avec un score de début même à zéro, ça va. Les joueurs qui seront là, ce sont les Congolais. Ils vont représenter en un mot les Congolais en général. Donc, on leur souhaite bonne chance. Donc, je vais souhaiter mon frère supporter congolais venir nombreux dimanche pour supporter notre équipe. Je suis un Congolais, donc je veux que le dimanche, je vienne soutenir l'équipe au stade Alphonse Massomadeba. Vraiment, les supporters venaient nombreux et à la victoire, même 2-0, ça peut aller, même 1-0 souvent. Il suffit que ce soit les 3 points. Il y a 9 qui ont boycotté de venir, mais sinon, ce qui est avec le stature qu'on a là, vraiment, on a moins de chances de gagner ce match. Vraiment, c'est un peu difficile. Je dirais qu'on a au moins 30% à 35% pour la chance de gagner ce match. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, poursuivons, amis sportifs, cette émission avec, bien évidemment, nous vous parlions du classement dans le groupe G avec, bien sûr, le Mali et la Gambie qui sont provisoirement en tête, en attendant justement le match de dimanche. En tout cas, voyons ce diapo. Disait le Mali, qui est en tête avec 9 points, suivi de la Gambie, après sa victoire sur le Soudan du Sud, 9 points également. C'est un signal fort, hein, lancé par la Gambie en faveur du Congo. La Gambie qui va terminer chez elle en recevant les Diables Rouges, qui ont naturellement l'immense tâche d'aller déplacer les montagnes là-bas. Le Congo est là avec 6 points et le Soudan du Sud qui ferme la marche avec 3 petits points. Alors nous avons parlé également des joueurs convoqués, en tout cas voici Thiévy Bifouma en compagnie de son compatriote, en tout cas Thiévy Bifouma qui n'a pas assez de temps de jeu. Paul Put complète donc sa liste des sélectionnés après justement le lapin posé par les 9 professionnels qui ont catégoriquement refusé de venir prêter leur service à cause justement de ces primes de présence, Christian. Oui, Théodore Balossa, en voyant Thiévy Bifouma même arriver, ça me fait penser à quelque chose. Si la régie avait vraiment cette image, ça devait être bien, parce qu'on se rappelle bien, après la sortie de la note. Oui, on peut revenir sur l'image, oui. Non, après la sortie de la note supprimant la prime de présence, on avait lu sur les réseaux sociaux, sur une lettre des Diables Rouges annonçant la menace, plutôt annonçant leur désaccord de participer à l'équipe nationale. Je me pose aujourd'hui la question, en voyant Thiévy Bifouma en sélection,
qui avait initié cette lettre au nom des joueurs qui l'avait signé, même s'il n'y avait pas de signature, parce que est-ce que sa présence aujourd'hui… – Il a trahi les autres. – Est-ce pas trahir vraiment ?– Il a initié justement. – Parce que ce genre de choses… – Et puis il vient… – Ce genre de choses se font par les capitaines, très souvent. Bon, le groupe le fait, le capitaine prend son risque de signer. Et si c'était effectivement les joueurs qui l'ont fait, et que l'on voit aujourd'hui Thierry Bifouma, est-ce pas une trahison vis-à-vis des autres. Mais Otato, tu le dis bien qu'il n'y a pas de signature, donc on ne sait pas qui. Mais comment cela avait été publié? Parce que même sur la page officielle de la Fédération congolaise de football, cette lettre avait été partagée. Donc, oui, mais justement, mais nous, sur ce plateau, nous avons rejeté cette lettre. Nous avons rejeté cette lettre en disant que la lettre ne porte pas la signature. La signature. Ça doit être un tract. Donc, voilà, qui, doit initier ce genre de choses dont nous voyons Bifouma l'a vu, parce que c'est lui le capitaine. C'est lui qui représente la diaspora. Maintenant, ici, pas la diaspora, les joueurs de l'équipe nationale. De l'équipe nationale. Oui. Et qu'aujourd'hui, Bifouma se retrouve en terre congolaise. Et les deux, le groupe n'est pas là. Ceux qui ont joué les dernières confrontations. Voilà, en tout cas. Donc, ce qui veut dire que même à ce niveau, on sent qu'il y a du désordre. Autour, cela ne nous empêche pas, amis sportifs, de poursuivre notre émission avec Pascal Bezegui-Minou, qui va nous parler d'une manière ramassée du championnat national de football qui a rendu son verdict final. C'était le dimanche dernier. Amasson Badeba. Oui, comment vous avez. L'a fait en apothéose, puisqu'il y a eu des prix, des coupes qui ont été remises à l'équipe championne. Et Diable Noir, pour la sixième fois consécutive. Pour la sixième fois consécutive avec 61 points. Suivi de Diable Noir, 52 points. Troisième étoile du Congo, 45 points. Quatrième Interclub, 42 points. Cinquième FC Konzo, 42 points. Donc les cinq équipes forment le top 5. En tout cas, ce sont les cinq équipes qui se sont distingués au cours de ce championnat. Et sixième rang, il y a AC Léopard, 42 points. Septième, GST, 38 points. Huitième, AS BNG, 30 points. Neuvième, V-Club, 29 points qui forment le milieu du classement. Et le bas du tableau, on a Kara, 10e avec 26 points. Et 11e, FC Natalis, 25 points. Et 12e, AS Juc, Jeunesse Unie de Kintélé, 24 points. Et 13e, AS Cheminot, en tout cas l'équipe du bord de l'océan qui tisse du mauvais tout coton. Ça fait près de 5 ans, AS Cheminot, 24 points. Cette fois relégable. Cette fois, en tout cas, relégable. Elle va jouer les barrages, Cheminot. Elle va jouer les barrages, AS Cheminot. Et 14e, c'est Patronage, 20 points. En tout cas, Patronage, rien à faire. Patronage descend l'année prochaine. Patronage, on verra cette équipe-là. En tout cas, jouer le match de 12 heures. Pourquoi pas les matchs de 6 heures. De 9h, de 8h. Pascal Bezegui-Minou, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce tableau concernant justement la participation des équipes en compétition africaine? Ce qu'il faut retenir, c'est le dégringolage de l'équipe de Pointe-Noire. Oui. AS Cheminot, nous l'avons dit, c'est pour la cinquième fois que AS Cheminot garde le même classement presque. L'année dernière, AS Cheminot a joué les barrages. Et cette année, AS Cheminot joue encore les barrages. Alors, il faut craindre. Est-ce qu'il y aura un championnat dans les prochaines années uniquement pour l'équipe les équipes de Brazzaville? On ne sait pas. Parce que là, il reste seulement au niveau du bord de l'océan, en dehors de AS Cheminot qui va jouer le barrage, FC Natalis qui se maintient, et puis le club qui est au milieu du tableau. Et pour ce qui est des compétitions internationales, ce sont les mêmes équipes qui repartent en Afrique. C'est les mêmes équipes qui repartent en Afrique, Diable Noir et AS Otoro, qui vont encore renouer l'Afrique l'année prochaine, comme ce fut l'année dernière. Voilà, en tout cas, en parlant de Diable Noir, justement, Diable Noir repart en Afrique, pendant que le président Jean-Pierre Massamba, de la Coordination nationale des supporters de cette équipe aux couleurs noires et jaunes, la plus populaire du Congo, JP Mama Ondomi Boulabi Baka, Aigle, en tout cas, poursuit sa série, en tout cas, sa campagne d'intronisation des sous-comités dans les différents arrondissements. Dimanche dernier, il était à Massina, nous sommes là en filou pour introniser le 24e comité, sous-comité de Diable Noir. Et ce sous-comité est dénommé Œil de l'Aigle de Massina. En tout cas, Jean-Pierre Massamba
a été accueilli, qui n'a pas lésiné avec les moyens, a été accueilli en typo. C'est une grande première. Partout où il passe, en tout cas, il perce les murs, il casse la muraille. Voici le reportage de Megasport concernant justement cette intronisation. Le président de la Coordination nationale des supporters de Diable Noir a véritablement franchi le Rubicon. Jean-Pierre Massamba, alias JP Boulabi Baka, Mama Wandombi, également appelé Aigle, est arrivé à Massina, un quartier du 7e arrondissement de Brazzaville-Filou, transporté en tipoy par des milliers de supporters diablotins au lieu de la cérémonie où l'attendait avec impatience des milliers de supporters tous vêtus aux couleurs traditionnelles de l'équipe noire et jaune. L'événement, l'intronisation du 24e sous-comité de Brazzaville, le sous-comité de Massina dénommé l'œil de l'aigle de Diable Noir. Après la séquence de la prière, ici avec le père Jean-Jacques Mayela, ce représentant de la chef du quartier 706 Massina a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à toute la délégation. Sans vous le cacher, nous sommes ravis de nous présenter à cette manifestation et nous osons croire à un signe de paix, paix tant prônée par les institutions de notre chère République. Ainsi, nous sommes convaincus que le sport unit le peuple et dans ce sens, nous, autorités locales, avons le devoir d'inculquer aux jeunes le sens du travail, le sens du calme, le respect des biens publics et lutter contre les mauvaises habitudes de consommation, contre la délinquance juvénile, afin de participer activement aux tâches de production. Le secrétaire général de cette coordination, Dominique Mayotella, appelé CGDOM, a ensuite pris la parole pour fixer l'assistance sur la cérémonie du jour. Le quartier Massina, qui était jadis à l'écart des mutations positives au sein de Diable Noir, va sans doute se doter d'un sous-comité de soutien et supporters de Diable Noir. Il s'y est de signaler que Massina regorge de nombreux diablotins, anciens et jeunes, qui avaient soif d'avoir une structure par laquelle ils pourront partager et échanger autour de leur équipe bien-aimée Diable Noir. Aujourd'hui, Diable Noir a besoin de ses enfants afin de lui venir en aide. Le sous-comité de Massina dénommé l'œil de l'aigle de Diable Noir se veut être parmi les excellences dans la compétition organisationnelle face à ses homologues sous-comités de Diable Noir installé en République du Congo par la Coordination nationale des supporters. Ainsi donc, la Coordination nationale des supporters, fidèle à sa tradition, a répondu favorablement à l'appel des diablotins du quartier Massina, prolongeant ainsi la liste à 24 le nombre total de sous-comités dans le département de Brazzaville. Le travail est certes énorme, mais pas assez suffisant dans la conquête de la ville de Brazzaville. Tout le mérite revient à l'infatigable président Jean-Pierre Massamba, JP Boulabi Baka, Mama Ndombi, Aigle, qui quotidiennement s'investit corps et âme au service de Diable Noir, notre équipe. Cet homme de cœur, d'action et de rigueur dans le travail, il veut son pari de rassembler tous les diablotins dans la discipline et l'unité autour de leur équipe, a soutenu les diablotins qui avaient longtemps déserté les stades. Aujourd'hui, cet homme unique représente une fierté nationale pour notre équipe, dans la mesure que les diablotins ont retrouvé l'ambiance d'antan et contemplent leur équipe avec enthousiasme et fierté, capable même de le défendre courageusement et de le soutenir partout où elle se produit. Pour tout cela, nous disons grand merci au président JP Boulabaka Mama Ndombi Aigle, car ce visionnaire averti mérite des ovations et des tonnerres d'applaudissements. Avec votre permission, s'il vous plaît.
S'en est suivi la présentation par le CGDOM du dit bureau et son intronisation par le président de la coordination Jean-Pierre Massamba, dit JP Boulabibaka Maman Ndombi, aigle qui n'a pas manqué de glisser quelques sages conseils aux membres du bureau intronisé. Les impressions à chaud du président investi visiblement ému. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait, que vous m'avez donné confiance pour que je sois à la tête de notre structure aigle, l'œil de l'aigle. Et je soutiens le président de coordination et le président général Jean-Foissan Ndengue de nous avoir fait confiance. Et je continue, qu'il ne nous laisse pas, on va travailler ensemble avec monsieur le président de la coordination, qui est Jean-Pierre Bacal. Je vous remercie vraiment. Le président de la coordination des sous-comités de Diable Noir du 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, et troisième vice-président de la dite coordination, le président Chalaï, a également pris la parole à cette occasion. Et pour mieux faire passer son message, le président Chalaï qui a martelé sur la paix et la discipline qui doivent désormais régner au sein de la grande famille des Noirs et Jaunes, a parlé en Lingala, l'une de nos deux belles langues nationales. Message est en fuite. La matière pour tout le monde dans le diable noir. Beaucoup de fuite la matière n'inga. La majorité, ce qu'a soit le singa, est camboté. Mais il faut la paix, ça vient déjà fuite pour n'avoir gagné l'examen. Fuite en gros, il y a la diable noire. Bagaté, la diable noire qui couronne Ezate, la diable noire où on a bengi malfra Azate. Osa la diable noire, ce que Koko Salamon Bébanaïo, quelque part, Foyeba Italio, Bako Poseyo, quelque part, n'a payé mon corps. Et ça, na sima la mer, papenga kango, si je savais. Donc, ma sina, toyoga kama kambo ebele. Toyoga kama kambo ebele. Ba arabe, ba américain, ba kuruna, ba miyibi. Ni wana to moni, te. Diable noir. Mes colons, ils ont mis ma savon à Saint-Michel, la frottoire à Saint-Charlemagne, pour notre socola bassina, bazala, bateau, ya Yesu Christo. Voilà quoi. Le cambo, toi, awa, et zapoye. Diablotin, côté afan d'agrafo, ils ont la propre. Côté afan d'agrafo, ils ont la chimie. Au monaté, la diable noir, par chef Azali, on a qu'une gosse à la meba. Au salim meba, au melipangi, Kouna, Tokula, mais son léki. Voilà quoi. Awa, Tozali Awa, quartier, Nege Djab Noir et Koti, quartier Pré Kotina, Kenya. Wana Balobi, Soki Asalaga qui Kuruna, qui Arabe, qui Moïbi, il est temps à Yakana Diable Noir, parce que Diable Noir est un savoir Saint-Charlemagne, la frottoire est Jésus-Christ. Pour n'avoir pas mes mains à mon panzi, pour n'avoir pas frotté, pour n'avoir pas mon droit. Message réitéré ici par le président de la coordination qui a remis quelques pannes à trois femmes âgées triées sur le volet à la cérémonie qui s'est achevée sous cette belle ambiance volcanique. Je
Dans le viseur de la coordination, l'intronisation dans les prochains jours du sous-comité annoncé de Boko dans le département du Boule, peu avant la tenue le 24 juin prochain, ici à Brazzaville, de l'Assemblée générale élective des Diables Noirs, couplée à l'élection du nouveau président de la coordination nationale des supporters de l'équipe la plus populaire du pays. Onex Bet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà le reportage, on dirait, de l'année avec Jean-Pierre Massamba, Boulabi Bakamaman Ndombi, grand aigle, en tout cas qui a galvanisé la foule. Vous avez vu les images, c'est nos commentaires. Oui, Théodore, nous osons croire que donc, cela va continuer jusqu'à ce que Diable Noir joue encore l'Afrique parce que déjà, Diable Noir, c'est le défi. Oui, on a souligné ici que Diable Noir a terminé deuxième du championnat national Ligue 1 de football. Et donc, ceci dit, ce n'est qu'une façon d'accompagner l'équipe à ce que peut-être la saison prochaine, que cette équipe parte encore un peu plus de l'avant. Parce qu'on l'a vu, hein, Diable Noir, pour la première fois, a intégré la phase de poule de cette compétition, chose qu'il n'avait jamais réalisée. Mais là, apparemment, du côté de Diable Noir, les choses sont en train d'évoluer et d'avancer. Donc, qui ne sait peut-être pas qu'un jour, Diable Noir pourrait jouer les demi-finales et pourquoi pas la finale de la Coupe africaine. En tout cas, c'est Kassamba, c'est le défi justement lancé par le président de cette coordination, Jean-Pierre Massamba, JP, Maman Ndombi, Boulabi Bata. Alors, très rapidement. Eh oui, Théodore Balossa, félicitations au président Jean-Pierre Massamba pour l'installation de ce 24e comité. Dans le discours, ce qui m'a marqué, discipline, unité, je dis oui, mais que ce ne soit pas des théories, mais nous avons besoin de la pratique. Parce que nous avons appris, par exemple, des droits télé que la FIFA a versés à la Fédération congolaise de football, l'association NRDC, par exemple. Donc, à ces associations membres, d'une valeur de 1 700 000 dollars, 1 035 millions. Si je regarde ici au Congo, dans le football congolais, par exemple, chaque supporter de Diable Noir donnait 15 000 par trimestre à cette équipe de Diable Noir, cette équipe peut atteindre aussi cette somme de 1 milliard 35 millions. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait cette organisation. Ça ne sert pas juste d'être derrière le président Jean-Pierre Massamba, mais il faut aussi ouvrir les mains, accepter, contribuer autour de l'équipe, parce que si le Real Madrid achète par exemple Kylian Mbappé à 220 millions d'euros, ce n'est pas avec, ils ne vont pas récupérer avec les 85 millions d'euros que la Ligue des Champions, le trophée leur donne, mais c'est les contributions des supporters, l'achat des maillots, l'achat des billets, ainsi de suite. Donc nous avons vraiment besoin de l'organisation, cette fois-ci dans le club de Diable Noir. Voilà, en tout cas c'est le rythme qui est en train d'être imprimé par le président Jean-Pierre Massamba de la coordination national des supporters de Diable Noir. En tout cas, nous n'avons pas épuisé tout notre programme aujourd'hui, mais ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, prochainement, vous aurez le reportage de Denis Padisson, notre correspondant dans la Bouenza, concernant justement la remise des poteaux et des filets dans un stade de handball de Mouyonzi. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste le match de dimanche à Massamba Déba. En tout cas, tout le monde est convié au stade à partir de 17h pour soutenir justement les Diables Noirs, les Diables Rouges qui semblent être en difficulté, mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, ils vont certainement tenir face au Mali. Voilà, complètement. Le bon Dieu sera avec nous. Le bon Dieu sera avec nous. Onex Bet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.